Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, donc ça sera un tag. Donc alors il y aura beaucoup de tags je pense sur ma chaîne Booktube, parce que simplement en fait je fais pas tout le temps des achats livresques, que je lis les livres mais je finis pas tout le temps. Donc alors les tags, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez faciles à faire. Et donc aujourd'hui on va faire le tag My Life in Book, donc c'est ça que ça s'appelle. My Life in Book. Donc j'ai regardé un peu vite les questions, mais j'ai pas encore réfléchi. Donc alors, première question, trouve un livre pour chacune des lettres de ton prénom. Alors je pense que ça va être un peu dur, je vais juste choisir pour donc le C, donc de mon prénom Cécile, et donc le F, donc de mon nom de famille. Je ne vous le dirai pas. Alors, CEF, donc chanteuse flamenco, Idaïna, chanteuse flamenco, donc c'est le I, vous savez, c'est mon. En fait, c'est. Il y a les livres, il y a les 5 livres, et chaque livre est sur une fille de Kin Girl, donc là c'est le I, donc pour Kin. Ouais, chanteuse flamenco, donc CF. Ouais, désolé, j'ai rien trouvé d'autre. On a l'interview avec donc Do. Je tire un livre que je n'ai pas encore lu. C'est Pierre Grenadine. Je ne suis pas en sub, donc de Elsa Desvernois. Trouve un livre qui se déroule dans ta ville, région ou pays. Donc ville, clairement pas. Région, je pense pas. Pays, un livre qui se passe en France. Donc l'avant séance, vu que c'est le seul où je sais où c'est. Donc c'est à. En Dordogne, il me semble. Bah, je sais qu'à moi, ils vont à Bordeaux. Donc voilà. Franchement, je sais qu'il y a un Bordeaux. Donc, c'est dans mon pays. Voilà. Donc, j'habite en France. Choisis un livre qui emprunte une destination que tu voudrais visiter. Donc, ce serait le tome 5 des filles au chocolat dans le cœur vanille. Parce que ça se passe en Australie et j'aimerais beaucoup y aller. Quelle est ta couleur préférée? Donc, ma couleur préférée, ça serait le violet. Violet. Et donc on continue dans les filles au chocolat, cette fois-ci c'est Kakuki, donc c'est de Jake celui-là, ouais, parce qu'il est violet, puis j'aime beaucoup les couvertures. De quel livre as-tu les meilleurs souvenirs? Je dirais le tome 4 des filles au chocolat, donc je vais le redire souvent ce livre-là, j'en suis désolée, mais... Donc le tome 4 Cœur Coco, parce que c'est un livre, franchement, c'est un livre qui m'a transporté, voilà, que je suis passée dans toutes les émotions, on va dire, avec ce livre. Et, donc il me fait très bon souvenir. Quel livre as-tu le plus de mal à lire? Bah, je vais me dire, on va parler que des filles au chocolat, mais j'en suis désolée, mais simplement, voilà, c'est car ça n'est pas que j'ai eu du mal à le... À lire, c'est que j'ai du mal à commencer à lire et donc voilà. Bon, la question, je pense qu'on va pas parler des filles au chocolat. Quel livre de ta page serais-tu fière d'avoir lu? Bah, les Harry Potter qui sont là, de là à là, et encore, je crois que j'ai pas le 5 là, mais le 5 va bientôt venir là. Ouais, c'est là. Tout le 7 parce que je vais avoir ta fini à la saga Harry Potter, donc voilà. Donc voilà, je vous tag tous pour le faire, donc si vous voulez le faire, faites-le. Donc voilà, je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.